Tiens, il est quoi en PS là? Ouais, alors t'allais très bien juste avant. Ben, ce que je vois et ce que tu entends, nous sommes les seuls rescapés. Bizarre, à mon avis, seuls les plus forts d'entre nous n'ont pas été transformés en statues. Tous ceux qui étaient à l'intérieur avec nous étant en sécurité, les autres en revanche ont été changés en statues. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de mortels sur. Et que ensemble, nous pouvons peut-être l'abattre. Mika, tu te sens bien? Je sais pas, Mika, combien de fois vais-je devoir te le répéter? Bon, très bien, si tu n'es pas Mika, qui es-tu? Yun, enchanté. Yun, où est Mikaya? Elle est ici avec moi, elle sait que ces soldats pétrifiés ne peuvent être sauvés. Du coup, elle me prête son corps pour que je puisse parler. Ah, bien, donc j'ai une question, Yun. Vous ne semblez pas avoir de forme matérielle, qui êtes-vous? Moi qui dormais dans mes dents où je suis resté enfermé pendant tellement longtemps. Le garde m'a réveillé. Le médaillon de Lehan, c'est donc le dieu maléfique. Oh, un dieu maléfique, moi? Tu vas bien regarder? Est-ce que j'ai une tête de dieu maléfique? Je suis ni ange, ni démon, ni vice, ni pureté. J'incarne la liberté, le chaos, l'avenir, le changement, l'inconnu. Je suis Yun. Peu importe ce que vous êtes, je veux juste savoir si vous avez, si vous qui avez changé tout le monde en statue. Non, j'y suis pour rien. Je suis pas si puissant pour ça, je viens de me réveiller. C'est Ashera la responsable, elle vient de juger le monde. Non, Ashera ne ferait jamais de mal. Ashera nous protège et nous montre le chemin à suivre. Laisse-moi te dire que tu as tout faux. Ashera n'est ni gentille ni soucieuse du bien-être et du bonheur des créatures de ce monde. Tout comme moi, elle n'est ni ange ni de pureté. Ashera incarne la restriction, l'or, la stabilité, le passé, la certitude, la modération. Voilà qui est Ashera. J'aimerais comprendre pourquoi la déesse Ashera essaierait-elle de nous détruire. Si quelqu'un devrait nous tuer, ne serait-ce pas plutôt vous, le dieu maléfique enfermé dans le médaillon? Bon, ça commence à bien faire, arrêtez de m'appeler Dieu Maléfique. Est-ce que je t'appelle Tados Belliqueux, moi? T'es vraiment trop méchant, je vais plus te parler. Hein? Elle me fait marrer, Yun. Dorénavant, je ne parlerai qu'à toi, oui. Tu as l'air très gentil, contrairement aux autres. Quoi? Ashera m'a toujours détesté. Mais moi, je l'aime beaucoup. Puis tu le ressembles un peu, je vais discuter avec toi. D'accord, donc tu t'appelles Yun? Et je m'appelle Yun, Ashera est l'ordre et je suis le chaos. Bien qu'une seule sœur, nous sommes deux extrêmes. Cependant, nos vies sont étroitement liées. Quand je dors, Ashera dort. Quand je me réveille, Ashera se réveille. Vous êtes donc une déesse? Oups, vraiment désolé. Je vais parler comme à quelqu'un de mon âge, je vais pardonner mon insolence. Stop, pas désolé, parle-moi comme une amie, Sony. Eh, Mako est en PLS. Or, tu m'expliques, avant que j'arrête le live, Mako, elle est super bien. J'ai relancé le live, Mako est en PLS. Dans ce genre de cas aussi, tu me fais chier, hein? Mako qui, avant ça se passait bien, je relance, ça se passe plus bien au niveau de la co. Toi aussi, ça me saoule. Très bien, puisque tu insistes, tu étais à l'intérieur de mes dents et maintenant tu es à l'intérieur du corps du Kaya. Tout à fait. Et c'est la déesse Ashera qui a changé les bières qu'il a existé en statue. Vas-tu nous dire comment elle est sauvée? Un instant. Oh, je comprends maintenant. C'est toi qui me parlais. Tu as dit, il ne faut pas attendre que la guerre me réveille. Faut chanter de guerre de la libération. Et c'était moi, je suis tellement content que tu aies compris mon message, comme tu es ma ligne. Mais comme vrai, pour que je puisse empêcher cette catastrophe, hélas, j'ai échoué. Que veux-tu dire? Je vais être brève, car le temps presse. Il y a très longtemps, tes ancêtres ont fait un accord avec Ashera. Ils ont promis qu'il n'y aurait pas de guerre totale pendant 1000 ans. Cet accord venait être violé, Ashera détruirait le monde pour en construire un nouveau. Malgré l'existence de cet accord, les moteurs n'ont pas cessé de faire la guerre. Les états ont fini par frapper toutes les nations. À ce travail, Ashera a jugé tous ceux qui n'avaient pas tenu parole. Une chose m'échappe encore. Et dirons, ça peut faire que ça irait par le chaos ou par le garde de la libération. Comment comptez vous empêcher Ashera de prononcer sa sentence? Je ne veux pas te parler. Ça commence à bien faire. Faut arrêter de vous porter comme une enfant. Nous ne sommes pas fâchés comme mon frère. Comme moi, il veut juste sauver ces gens. Pour ça, tu dois nous guider. C'est important de travailler avec le garde de la libération, pas? D'abord, tu devais comprendre qu'Ashera et moi sommes indissociables. Me réveiller, reviens réveiller Ashera. Si Ashera avait été réveillée par l'esprit de chaos, le monde entier aurait été détruit. Que notre accord stipule. Normalement, elle aurait dû me consulter avant de juger les mortels. Car c'est le garde de la libération qui l'a réveillé. Elle n'était pas censée vous juger sans d'abord me demander mon avis. C'est vraiment injuste. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais annuler son jugement. Je ne peux malheureusement pas le faire tout seul. J'ai besoin de vous. Allez-vous m'aider? Bien sûr, nous allons t'aider. Ton père est étrange, mais je te crois. Les gens qui ont échangé un statut, nous pourrons également les sauver. Oui, nous souhaitons vous aider. Nous ne laisserons pas faire. Nous nous battrons. Votre histoire est compliquée. Faire l'impossible pour sauver ces pauvres gens. Pour être honnête avec vous, je suis complètement choqué. Amis fidèles, que la déesse Ashera était notre protection.
Il n'est pas obligé de me croire. Mais lorsque Asher aura détruit le monde, il n'y a pas à me dire que je t'avais pas prévenu. Non. J'ai tout ce qui est à mon pouvoir pour inverser son jugement. Tout comme les autres, je vous aiderai. Nous devons donc tirer un trait sur les disputes passées et combattre côte à côte. Et rien n'était. C'est pas Ashura, c'est Ashira. Je remplace juste le U par un O, par un E. Nat, ouvre les yeux et regarde autour de toi, il n'y a plus que nous. Ne verrons pas si tu nous aides pas et puis tu n'es pas contre l'idée de sauver le monde, si. Tu as raison, ouais. Tout s'est arrivé à cause de notre guerre. J'ai une minute, je n'ai plus de moment de curailler. Après un chat d'affaires et d'amener le jugement ensuite. Ouf. Tu savais que je suis lâché au moins, je n'ai plus à redouter de me battre contre toi. Ouais, tu serais fait le gueule, Seth. À qui le dis-tu? Merci pour votre soutien. Comment allons-nous procéder? Ah, je sais, disons l'armée en trois groupes. Non, non, ça c'est la pire idée. Ah, parce que j'ai une team, celle de Mikaya, c'est des tapettes. Littéralement, c'est des tapettes. Dire qu'Ashira se doutera de quelque chose. Mais c'est bien de nous dire, ça nous évitera de mourir tous en même temps. Si on nous dépêche, la puissance d'Ashira augmente. Et si nous nous transformons ça dessus, notre monde disparaîtra. Allez, il reste de l'espoir. Comment tu t'appelles? Ike. Bien, je vais bien te reparler si tu me promets de plus m'appeler Dieu Maléfique. Oui, puis-je vous appeler Yun? Oui, ça me ferait plaisir. Dans ce cas, je te pardonne. Moi, j'ai une idée pour prouver. Je vais te faire en sorte que tu restes sain et sauf à destination. Je peux pas faire avec tout le monde, ça serait trop fatigant. Bien ferme les yeux. Pas... Oui, Ike, change de classe! Je suis prêt. Enfin! Tu vas enfin pouvoir m'être à nouveau utile. Oh! Level up! Level up! Oui! Enfin! Il va enfin pouvoir taper dans le tas! Oh, violent! Et il pourra utiliser Ragnil à sa pleine puissance! Oui! Ah, ce level up du bonheur! Le changement de classe du bonheur! Et en plus, il aura Iter! Normalement. Pourquoi plus 4 en magie? Explique-moi! Pourquoi plus 4 en magie? Pourquoi pas plus 4 en force? Bon, les plus 4 en résistance, ça c'est cool par contre. Mais pourquoi il gagne de la magie? Faut m'expliquer! Encore qu'un magicien gagne des points de force pour pouvoir pas avoir des avantages de vitesse à cause du poids de table. Je comprends! Mais pour qu'un guerrier gagne de la magie, je ne comprends pas! C'est logique d'en faire un blème que je comprendrai jamais! Comment tu te sens-tu? Je me sens invincible. C'est comme si je pouvais affronter une armée massive à moi seul. C'était déjà le cas en ton changement de classe quasiment. Eh bien, pour un mortel, tu ne manques pas de confiance. Mais un peu. Je veux que tu rejoignes ce groupe. Je viens avec toi, avec vous. Je reste auprès de Mikaya. D'accord, Mika avait dit que c'est ce qu'elle désire. Fais-moi lui parler. Non, pas maintenant. Tu auras tout le temps de lui parler en route. Vu que tu rejoignes l'équipe qui est là-bas. Bon, maintenant, c'est là où je dois faire mes choix. Alors là, nous avons Madame la pute. Pas... Attends, t'as combien d'unités merdiques? T'as une unité merdique. Et là, t'as toute la team qui se récupère avec les unités merdiques. Ouais, alors, je ne sais pas comment je dois régler les teams. Je sais pas du tout comment je dois régler les teams. Personne n'a envie, j'ai envie de les laisser comme ça. Si je les mets comme ça, c'est pas pour rien. Mais toi, t'es en mode je sers à rien. Et là, j'ai tu es faible et tu es faible. Non, il manque quelqu'un de faible. On va laisser ça comme ça. Ouais, on va laisser ça comme ça. Je pense. Ouais, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça, on va bien voir advienne que pourra. Attends, est-ce que j'ai des heals? Là, j'ai un heal. J'ai deux heals avec elle. Là, j'ai deux heals. Et ici, j'ai combien de heals? Elle peut heal. Et c'est tout. Et j'ai des équipes où je n'aurai qu'un heal. Ouais, ouais. Et
Est-ce qu'il a bien gagné Iters, lui? Oui, il a Iters, c'est bon. C'est bon, c'est bien, il a bien Iters. Dans le jeu, c'est quand tu gagnes les compétences. Alors ça, c'est... Ouais, sélection terminée. On va bien voir Advienne qui pourra. Hein. Chaque équipe suivra un itinéraire différent, mais à 19 ans, il a même pour tout le monde. Vous atteindre la tour sacrée de la nation que vous appelez. En avant! Je donne rendez-vous là-bas, je vous y attendrai. Comment, vous n'allez pas nous accompagner? Vous verrez à la tour. Un oiseau? Yun, ça veut donc dire que. Kaya? Kaya? Ah, ah tiens! Comment savoir quand la déesse est là ou pas? La déesse a les yeux rouges. Quand Mika est possédée par la déesse, elle a les yeux rouges. Et quand elle est normale, elle a les yeux jaunes. Oh, bonjour, Sot. Bienvenue, j'étais mort d'inquiétude. Oh, je ferai un autre fichier sauvegarde au cas où que ça convienne pas les teams. Et que je me fasse rouler dessus. Mais si Yun était cet oiseau, où est-elle allée? Elle a un peu dit où elle allait. Elle m'a juste dit qu'elle devait aller chercher. On doit livrer à nous-mêmes. Elle est vraiment inconsciente de partir. Au moins, notre mission est claire. Allez, direction la tour sacrée. Bien sûr, parce que Naga m'a ordonné de remettre ses objets au Aeron. Dans des pierres de communication, non? Exactement. Heureusement pour nous, il y a un Aeron dans chaque équipe. Là, pourrais-tu donner cette pierre au prince Rezan? Sans problème, grâce à ces pierres, les trois équipes vont pouvoir entrer. Ça va être très pratique. Mais donne cette pierre au prince Raphaël, s'il te plaît. Compte sur moi. La dernière pierre est pour la princesse. Je la lui donnerai, nous sommes dans la même équipe. Bon, on est tous prêts, allez, on se voit à la tour. Oui, si tu... Bon, Ike, tu vas péter des culs. Ike. Je veux que tu pétais des culs. Ike, puis tu n'es pas dans la même équipe, je préfère te le dire maintenant. À propos du général Zelgus, prends garde à toi si tu crois. Cet homme est ton ennemi. Comment ça, mon ennemi? Télix se cache sous le masque du chevalier noir. Quoi? Zelgus et le chevalier noir. Mes derniers doutes se sont dissipés lorsque nous avons traversé la rivière. C'est impossible! Je voulais attendre d'en avoir le cœur net avant de te le dire, mais le temps presse. Excuse-moi de ne pas te l'avoir fait part de mes soupçons. Or, c'est général Zelgus, le meurtrier de mon père. Je ne pense pas qu'il ait été changé en statue. Il est bien trop fort pour ça. Prends garde si tu le rencontres, Ike. Que la chance soit avec toi. Zelgus. Elle est noire. Asherah, la déesse de l'ordre, est réveillée. Son jugement sévère frappe de plein fouet les soldats. Qu'elle change en statue. Yun, la déesse du chaos, a elle aussi été réveillée. Libérée du médaillon de Leran, elle conseille à Ike et ses compagnons de se séparer en trois groupes et de se rendre à la tour sacrée. Mikaya est accompagnée de Sov, son fidèle allié, ainsi que du général Skrimir, de Nezala et de la princesse Léa. Le groupe est complété par l'apôtre Sanaki, elle-même accompagnée, entre autres, de son garde du corps Sigrun. Le groupe de Mikaya décide d'avancer vers le sud pour regagner Benyon. Leur voyage est étrangement tranquille et paisible, à peine perturbé par la faune locale. Sans rencontrer ni obstacle ni ennemi, leur avancée se déroule dans le plus grand calme. Alors là non, Zelgus est le chevalier noir. Zelgus n'a pas eu de fils. Le chevalier noir n'a pas eu de fils, Zelgus a toujours été le chevalier noir. Mes très chers disciples de l'ordre, et là j'apporte une sombre nouvelle. Le dieu Elphic Servier, son courroux a pétrifié notre chair. Le pouvoir des Minocs de tous transformer en statue, mais nous sommes revenus à la vie, libérés par la déesse. Pourquoi m'étendrez-vous? Parce que nous sommes ses élus. Il est temps d'agir et d'imposer le jugement de la déesse au dieu maléfique et à ses fidèles. Il est pas mort. C'est juste que comme il est pas mort, il jouait pas le mort. Tout le monde savait qu'il était pas mort parce que quand le bâtiment s'est écroulé, on n'a jamais retrouvé son corps. Tout le monde savait qu'il était encore en vie.
Et puis on l'a vu, de toute manière, il a aidé Mikaya. Il jouait pas le mort, c'est juste comme il avait plus rien à faire dans la guerre contre Ashnar, il avait plus besoin d'être aux ordres, il allait retourner à son poste de général de Baignan, c'est tout. Et quand il avait besoin d'aider Mikaya, vu qu'il peut se téléporter où il veut, quand il veut, il allait aider Mikaya, et une fois qu'il avait fini de faire ce qu'il avait à faire, il revenait pour servir de général à l'armée de Baignan. Votre attention s'il vous plaît, d'en passer la nuit ici. Temps pour vous reposer et préparez-vous pour demain. Non, je suis pas à l'aise ici, l'air ambiant est trop pur. J'ai l'impression de suer rien qu'en le respirant. Ce n'est rien, Lynn, je parlais tout seul. Oh, Poussin, t'es dîné avec nous, Jixiné. Il est passé pour toi. Y'a Lucci, je t'ai déjà dit de plus m'appeler mon poussin, je suis plus l'enfant d'où. Je n'ai plus besoin de précepteur, compte toute ta survie, Lynn. Ah, bien la seule espèce de traite, tu as vendu tes frères. Puis c'est vrai alors, qu'est-ce que tu attends? Venge-toi et tue-moi, je l'ai bien mérité. Tu crois que j'ai besoin d'encouragement? T'as payé pour tous nos frères morts par ta faute. Le laisser tranquille à cause de cette crapule, l'Alliance Legus a dû fuir. Il n'arrête de violer mon intimité en lisant dans mon cœur et en prétendant que je souffre plus que quiconque. C'est vraiment désagréable. Bien ça souffre, eh bien il n'a pas encore assez souffert à mon goût. Je ne peux y remédier tout de suite. Je peux y remédier tout de suite. Pitié, essaie de persécuter mon maître. Mon jeune maître, défoule-toi sur moi, si ça peut te soulager. Toi, le freux, t'intéresse à la mettre en veilleux si tu veux pas mourir en même temps que ton maître. Ymir, pas devant eux. Lynn et Aluchi, laissez-nous seuls, c'est un ordre. J'ai l'impression que tu cherches à te défiler, Nalesala. T'es en train de doubler d'un lâche. Désolé de ça, mais tu n'es pas le seul à voir ma peau. Si tu me tues, quelqu'un ne pourra jamais exprimer durement sa colère. Oui, tu as raison, c'est Tibin qui t'a tué, pas moi. Je le laisserai te punir. Alors tu renonces, ça m'étonne de ta part. T'en as assez de jouer au prince téméraire, Skimir. Ne me provoque pas. Il est parti, bonté divine, j'ai bien cru que nous allions tous y passer. Son regard était terrifiant. Ganondorf. Bon, Tanit avec Sigru, non? Il était avec Mordecai et... Changement de classe qui change quasiment que dalle parce qu'il n'y a rien de bien. Je reste quand même mauvais, hein. Avec un changement de classe. T'as testé deux stats, toi, t'es intéressant. Ouais, la force.
Ah. La défense. J'aimerais bien un peu de vitesse. La force. C'est bien qu'elle gagne de la vitesse. C'est très bien ça. Force, défense, c'est la vitesse que j'ai besoin pour toi. C'est la vitesse que j'ai besoin pour ta gueule. Non mais file-moi de la vitesse! File-moi de la vitesse, t'es juste une pute en vitesse! Non! Oh, c'est le point de vitesse! Ah, l'enculé! Ah, putain! Oh, le mec il a reçu à maxer la magie. Le mec il a maxé la magie, sérieusement quoi. Et tant que je suis changé de classe hein. Non, lui il peut pas changer de classe. A voir. Ouais, elle, les faire monter ça sert à rien, j'ai envie de te dire. Thank you.
Mais merde, elle peut pas aller au-dessus du rang S en maîtrise ? Il faut un rang S plus. Ah si, elle a une classe au-dessus. Elle a statué de max. Est-ce que je m'amuse à la faire changer de classe en rang 3 ? Bon, pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, hein. Elle peut encore changer de classe, et toi ? Si. Bon, tout le monde a une troisième classe, à part les personnages scénarisés comme lui. T'as rien que je joue. Et à ce mec. Laura. Frère. Ah oui, elle a pas de sort. Elle a pas de sort lumière de type base. Edward. Et clair, j'en ai trois, je suis au moins lui en donner une à lui. Trois. Il a 14 en vitesse le mec quand même. Pas énorme. On va bien voir pour l'instant comment il va se débrouiller, hein. Bon, niveau truc, elles ont encore de l'équipement. Et... Gardez tous mes trucs pour à la fin du jeu. Vraiment à la fin, à la fin. Bon. Puis ça devrait être bon normalement. On va faire une petite sauvegarde sur un autre fichier. Une lumière. Et encore il y a du dialogue. Pas de vite réveille tout le monde. Pardonne, ressemblant à des troupes qui approchent. Comment ? J'y vais tout de suite. Ika, l'ennemi est-il arrivé ? Non pas encore, mais il ne va pas tarder, j'en suis certaine. Être sûr de toi, ce juste ni armes ni soldat. Pas évident, ses ennemis ni combien ils sont, mais une chose sur leur armée est immense. C'est vérité, je jure. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Ika, je ne remets pas mon don en question, mais comment veux-tu que je doute comment veux-tu que je joue de celle qui porte la voix de la déesse ? Oh.
Ika, on dirait que tu avais raison, nous avons des invités. De nombreux invités. C'est la guerre, les gars! Oh, les belles armures dorées! Laisse-les-moi, la lutte sera impitable, que les faibles aillent se mettre à l'abri! Votre santé serait sage de laisser Gérin Skimir se charger de la bataille. Laissez-moi vous escorter en lieu sûr. Non, je reste, je veux me battre avec les autres. Vous en savez, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas rester, vous pourrez être blessé. Ika est une simple citoyenne, elle n'a jamais appris à se battre. Si elle reste, je dois en faire autant. Votre santé. Super content de discuter avec une personne aussi déterminée, mais sois tranquille, je la surveillerai. C'est une instant tente, mais j'ai de refuser la guerre sacrée, juré de toujours protéger l'apôtre. C'est une tâche que nous n'avons pas le droit de déléguer. On dirait que nos ennemis vont couper court à cette dispute. Ils arrivent! Vous arrêtez jamais de parler, vous, Ebar! Tout le monde en position! Ah ah ah! Y'a bien des unités que je peux pas prendre. Alors, déjà, toi, tu dégages, hein. Voilà, hein. Il faut Laura, il faut aussi Aran. Ornialut, si tu dégages, hein. Tu t'intéresses pas, donc Aran. Lui, au pire, je peux ne pas le prendre. J'aime pas en même temps Davden. J'aime pas ce mec. Est-ce que je gère l'île? Non, ça peut être très utile quand même, les unités là. Ou quand t'as que un seul heal pour faire jouer une seule fois l'huile. Ouais. Davden, t'as de bonnes stats. T'es sûr que par rapport à Aran, t'es meilleur? Par rapport à Aran, t'es largement meilleur. Hein. Ah, Aran a 14 de vitesse, t'en as 22. Et force, il a 20, défense 21. Ouais, mais le manque de vitesse, hein, mon combat point sans regarder Aran, car les meilleurs niveaux stats, certaines stats, et au pire, si vraiment il commence à être trop en PLS de vitesse, je donnerai des ailes éclairs. Bon, on va voir à quelle vitesse ils sont les mecs. Ah ouais, vitesse 22, lui, il va se faire doubler par tout le monde, en fait, sur la map, là. Et il va se faire violer par tout le monde, là. Y'a pas un... Ah oui. Non, là, je vais devoir donner de la vitesse. Ouais, mais ça me fait chier de gaspiller un truc, parce que si ça se trouve, il sera mauvais. Ah bon, on va essayer, hein. Il tankera pas. Hein, au pire, il tankera pas, mais... voilà. Ah, putain, il y a tellement peu de level up en vitesse, c'est abusé. Bon, la plupart des unités qui vont tanker à tous les coups, bah, ça va être mes grosses unités. Hein. Et ça, là, qui? Ça va? Ah oui, ça va. Ça va, t'es posé, toi. Voici les larbins du dieu maléfique. Mes chers disciples, allez leur donner un avant-goût du jugement divin. Détruisez-les tous. Ah, qu'est-ce que vous êtes tous des saignants. Comme je suis heureux de vous voir en vie. Je sais que Shiki en a craint, mais j'ai pas voulu le rejoindre. Vas-y, dis-moi comment il s'appelle, Steven. Ah, ok, attention, j'ai l'impression que votre joie n'est pas réciproque. Non. Maudit larbin du dieu maléfique! Nous sommes les disciples de l'or, nous serons les cannes et notre maître! La Nessa Chara nous a chargé de mettre fin à vos existences qui entachent et offensent notre monde! Les rescapés, ah ah ah! Morts à l'impure! Ne laissons personne s'échapper! Votre santé veut reculer, ces traîtres sont probablement alliés au Sénat lors du coup d'État. La postérité est un imposteur, tout à mode qui va à l'encontre des dames divins et l'ennemi du peuple! Comment donc je. Là on se traite, comment on s'y voit quitter la peau? Vos crimes méritent la peine maximum! Ah oui, donc lui il se transforme grâce à des pierres à l'aguse. Ah. Ouais, il se prend du x2 dans la gueule. Pourquoi merci? Pourquoi ce merci 12 et 12 ça fait 24? Il fait 9 de dégâts. C'est vrai que j'arrive à un truc qui fasse plus de dégâts. 16-16-32, ça passe. Pourquoi merci?
Oh, t'es sérieux, le mec, il fait 26, j'ai que 47 d'esquive, mais je vais faire viol! Non, tu vas juste tanker pour l'instant. Ah, mais ça va être tellement avec le viol. Est-ce qu'ils ont des trucs à voler, tiens, au passage? Ouais, ils ont pas l'air. Hein. La flemme de ça va comme ça. Ouais, elle peut même pas tisser le sort 2. Pourquoi elle peut pas tisser? Ah si. Je veux dire, merde. Non, parce que c'est sur le bâton. Normal, elle peut pas tisser un truc CS. Ah mais elle invoque un soleil. Bah bien sûr. La meuf elle invoque un soleil au calme. Je t'invoque un mini soleil. Ça va? Pas trop chaud? La meuf elle t'invoque un mini soleil quoi. Un putain de mini soleil. On en parle ou on en parle pas du mini soleil? Bon level, dommage pour le point de force. C'est 17-34. Level up de merde, c'est pas comme ça que tu deviendras bonne, hein, ma petite Liana. Hein. Je vais avoir bien besoin de toi un peu plus loin dans le jeu. Faire le dégât, ouais. Et pas foulish. Pas folichon non plus. Bon, t'as pas beaucoup de chance de me louper, donc ça peut y aller. En off, toi, faudrait que je te garde là-bas pour être à côté de Cardo. Tiens. Toi, pour l'instant, je sais pas. Tiens, je vais te renvoyer là-bas. Tiens. Oh, tu peux toujours essayer cette raid XP gratos. Ouais, 40%, je m'attendais pas du tout. Hein. Et le petit XP gratos là, le point de vie. Juste pour finir le level up. Waouh, le level quasiment parfait de Mikaya. Il manque juste le point de défense. Le point de force, elles sont battées un peu les coups. Quoi qu'il attend, hein. Pas 3. Ouais, pas 5. En plus, c'est Tom qui a quelque part qui fait pas une baisse de vitesse. Tiens, ça a changé de musique les changements de tour. Tu m'esquives ça, pitié. Merci.
pas être en qu'une fois. LOL. Mais lui, il esquive pas, bien sûr. Enculé de ça. Je peux attaquer deux fois quoi. Waouh. Bon, on va farmer hein. Que je voulais vous dire, bon, on va farmer hein. Camille pourra toucher. Je vois combien il va prendre de dégâts le mec. Ah monsieur là qu'il faut. Lui, il viole tout le monde, ça m'arrange pas. Ah. Ah. Ah mais non, mais elle a une calabucide. Bah voilà. Oubliez qu'elle avait ce genre d'item. Hein. Ika qui sert du deuxième heal, je pense que vous en XP en mode infini. Bien
Qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Sérieusement, qu'est-ce que j'y ferais? Oh, je suis pas loin de me faire baiser par tout ce qui marchait. J'y mets fort au Discord, c'est pas pour rien. Combien de dégâts il prend? Ah ouais, il prend 22 de dégâts. Ah merde, je pensais pas qu'il prendrait autant. Ah ouais. Ah, et en plus deux fois. Ok, bon bah, Skimir est mort, d'accord. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il prenne aussi cher. Je parle en général que quand je suis en live et comme je compte arrêter, voilà. Ouais, level up de merde. Par l'habitude des level up de... Ah, je m'attendais pas à ce que ils prennent si cher pour être 300. Et normalement, un roi de... on sait pas encore un roi d'Aguse. Bah, au revoir, hein, Skimir. On peut déjà reset la map, hein. Ok, ça c'était une mauvaise idée, je m'attendais pas à ce qu'il se viole. J'avoue. Ah bon, ça, j'ai perdu le roi, mais... Joseph. Rizette, hein. Il est quand même utile, je crois. Enfin, full skill. Ah merde, je pensais pas qu'il allait se faire comme ça en étant pas transformé. Ouais, un petit soleil, hein, c'est toujours joli. Oh non! Non, la one shot! Non, mon XP! Menace!
n'avez pas le droit de faire ça. Ah, pourquoi sa compétence s'est activée? Pas perdre d'XP. Ah là, c'est mieux. À cela. Bon, j'ai pu rattraper un peu l'erreur. Non, elle s'est loupée. 87 de précision. Ta mère, Liana. Ta mère. Ah. Comment tu te loupes avec autant de précision, quoi? Ah, mais sérieux! C'est bien, c'est sur Nolan. Pas de perte d'XP comme ça. Ah, le point de vitesse qui fait plaisir pour nous. Calabucite, ça fait le taf. Thank you.
Oh merde, elle a fait un critique à 5% quoi. Sérieusement quoi. Fuck you. Un critique à 5%, sérieusement quoi. Fuck you la poutre. Non, pas GG, ça m'arrange pas. Bien sûr, là, elle fait un moins bon level que tout à l'heure. Hein, mon point de vitesse, je me fous le cul. Faut juste que tu fasses pas de coup critique, mon petit. Ou t'esquives. Un coup critique, je suis un peu en PLS. Enfin, surtout si t'as pas esquivé. Là, ça passe. Ah, ils ont tous une dent après Nolan. Je sais pas. Ils doivent pas l'aimer. C'est lui qui prend tout dans la gueule. Le mec il a... Non quoi. Au moins il grimpe vite en XP. Ouais, level up de merde. Bientôt je vais taper Boyd. Ceux qui comprendront pourquoi je dis ça. Dans Pass of Radiance, le mec est tellement pourri que je l'ai laissé crever. Ah bah là tout d'un coup tu fais moins de dégâts hein. Maintenant que je suis transformé hein. Donc ça va être du viol unilatéral. Voilà, je voulais pas, mais j'ai pas le choix avec les cavaliers qui avaient bougé, soit t'allais se faire tuer. J'étais obligé de tuer le roi. Je voulais pas, mais j'ai pas le choix. Si je tuais pas le roi, j'étais dans la merde. Un Denis qui n'arrive pas à esquiver. Moi, que je dois pas essayer de contre. Oh bah ça fait le ménage un petit roi Laguse hein. Du moins un prince Laguse, il est pas encore roi. Il est toujours son père le roi. Non, je me souviens pas, non, mais juste que je sais pas pourquoi c'est le futur roi, donc dans ma tête, pour moi, c'est un roi, mais non. Mais c'est un roi Laguse, je pourrais se transformer sans avoir besoin de Pierre Laguse. Et il serait plus pété que ça aussi. Et ben voilà, c'est un bon level, dommage pour la force. Ce qui m'arrange pas, c'est qu'ils sont tout en mode lent, c'est pour que mes mecs esquivent là, ceux qui se prennent à l'avance, c'est un peu mort quoi. Et Péda, c'est pas trop l'avantage de prendre des armes. Hein. J'ai envie de te dire. Bon, elle, faut que je la replie en arrière parce que elle va se faire un peu massacrer. Bon, déjà, Marcia avec sa calabucie. Voilà.
Ah, c'est fait. J'aurais bien aimé un petit point de force quand même. Oh, en plus il lance l'étale le mec. Des dégâts, il resterait donc 12 points de vie normalement. Oui, là ce loop pas, ça passe. C'est bien gentil. Oh bah elle vient que pourra du côté là. En plus, les cavaleries archi commencent à bouger. Là, je suis dans la merde. Bien sûr, c'est en priorité. C'est interdit d'esquiver, mec. Il dit des dégâts, ouais. Oh bah non, bon bah, il est mort. Il subit pas à deux coups, hein. Il subit pas à deux coups, putain. Comme le mec va bouger, il va se pousser. Oh, mort, au revoir. Jamais survie à ça. Le mec à la lance, il survit pas. Au revoir. Oh putain, cette map va être pète couille. Où cette map va être pète couille? Aucune chose qui esquive du 80% de précision. Vous savez que j'allais en chier sur cette... On va faire une autre manière, hein. Attendre. Comme ça, j'aurais eu plus de mecs pour attaquer à l'arrière. Et qu'après, ça va être des mecs à la lance. Je vais avoir besoin affreusement de... Et là-bas. Non, pour ça, il y a quand même continué à s'occuper de l'endroit là, l'autre, et c'est le fait des levels gratos. Bon, fais-moi un bon level, vitesse, magie, défense.
Au moins j'ai la vitesse et la défense. J'aimerais bien Parisette parce que là c'est plutôt bien parti là. Niveau des level up, on va quand même refaire rejeu lui parce que. Derrière l'équipe avec laquelle je vais plus en chier pour gagner, c'est avec l'équipe où Yamikaya. À cause des unités faibles que j'ai. À cause des. De lui. À cause des trois là, je vais en chier. Parce qu'ils ont vraiment des stats, mais merdique à souhait. Balan encore, ça passe. Lui, il est moyen, mais. Y'a pire. Fais-moi un point de vitesse et de défense. Au moins la vitesse. Pourquoi j'ai attaqué avec l'épée? Pourquoi j'ai pas attaqué avec la lance? Suis-je con ou je le fais exprès? De vitesse, S. Parfait, la fameuse chaîne de heal. Mika qui s'agne et Mika qui sait soigner. Ah, ça fait plus. Ah oui, Sanaki peut protéger là. On va juste attendre. Là. Sérieusement? Un critique? Comment te dire quand je te chie à la gueule? Voilà, critique à 6%. Voilà. On en parle ou on en parle pas? J'ai tout dit, tu voulais pas que je réussisse la map, hein. Je rage quitte pour aujourd'hui, puis je pense dimanche prochain, hein. On ira plus vite, là, hein. Oh putain. RNG de merde. Non merde, les RNG. Le karma, comme tu dis. Bon, alors on va agir comme j'avais fait tout à l'heure. Alors, pour côté là, je reculerai mes unités après. Je reculerai mes unités autour d'après. Vas-y, je t'en prie. Tu me pas au défi, tu fais ce que tu veux, Steven. Hein. Si t'as clippé, tu fais ce que tu veux avec le clip après. Hein. J'en ai rien à foutre de ce que tu fais avec les clips. Hein. Lâche-le. Hein. T'as envie de le poster, va le poster. Moi, ça a changé quoi à ma vie? À part montrer aux rescapés à quel point je suis poisson avec la RNG. Et bien sûr, j'ai plus mon point de vitesse. Ah, mais bien sûr, hein. J'ai plus d'aussi bon level up que tout à l'heure. Hein. Connard.
Non, il s'est loupé! Mais fils de pute! Mais bien sûr, là, pas la montée de vitesse, hein, bien sûr, hein. Alors. Oh, il y a un petit bug d'affichage là. C'est magnifique ce bug d'affichage. Ouais, je crois que ça se mange la vitesse et mes unités ont l'air très friandes de manger de la vitesse. À mon plus grand désarroi. Par chance, il y a soutien avec Yana qui lui donne un peu d'esquive. Allez, fais-moi un point de vitesse, mec. Et de défense. Bon, j'ai au moins la défense. Un peu plus résistant. Je vais pas me plaindre. Ah, j'ai pris 10 de dégâts au lieu de 11. C'est pas mal. Dans cette partie, mes unités savent pas ce que c'est que la vitesse. Et voilà, un level up de merde par contre. Ouais, alors là, on va mettre mes deux rois Laguse là-bas, parce que sinon, là, je vais me faire poutrer la gueule. Ça sert à quelque chose. Là, je peux rien faire, là, avec les cavaliers qui sont pointés, je ne peux absolument rien faire. Je peux pas, parce que... Si jamais je bougeais de position, bah ils allaient crever. Là en plus, à l'autre en cru, bah il allait me faire. J'ai de me barrer, là, comme une pute. Bon, faut que j'arrive à soigner ce mec. Bon, il sera pas full vie, mais bon.
Oh, bah, j'aurais pu faire discuter avec toi. Bon, là, va y avoir du viol en masse, hein. Pas le choix. Donc, j'ai obligé de les lagus là. Là, je me faisais violer, sinon. Bon, dans tous les cas, c'est Skimir qui va se faire attaquer. Bon, pas toucher Nayasa, car Nayasa est plus petite esquive que Skimir. Pas plus le plus faible. Ça me fait chier cette perte d'XP. Ça me fait tellement chier. Ah, c'était sûr que t'allais attaquer lui, hein. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. Allez, fais-moi un point de vitesse, pitié, Nolan. Fesse. Eh bah, merde. Non. Voilà. Tiens. Il vise le faucon. Moi, le corbeau. Bon, Carnage utilise cruel. Non, un rapace d'épique utilise cruel. Lui que c'est un corbeau, donc Cafabec, donc rapace d'épique, donc voilà, il est évolué. Rapace d'épique utilise cruel. Aouh. Ah, mais en même temps, c'était un méca lâche. Et pas vraiment la priorité niveau. Je déteste cette map. Thank you.
Ils sont en déplacement, eux. Ah non, j'ai pas le droit de bouger. Je peux faire ça. Dans tous les cas, celui qui l'attend contre les mecs là. Et tiens. Bon, le côté là est réglé. Bon, voilà, pour le côté là, j'ai plus de problème. C'était un peu force d'y aller avec des unités pétées, mais j'avais pas le choix. Bon, ils sont, c'est des quoi là? Les gars, les pions. Aucun dégât. Oh, le point de vitesse qui fait plaisir pour Aran. Le point de vitesse du plaisir. Bah, je vais t'empêcher de te régène. Hein. Grave mec pour te régène. En plus, il a fait un étal, le mec. On a pu faire très mal, le mec, là. Ah, c'est plus.
pas encore quand je gérerai tout ça, moi, pour l'instant, là. Bon, regarde ce qui se passe. Il a servi d'appât. Ouais, ça va, 14 de dégâts, il prend pas trop trop cher encore. Il y a une chance sur deux d'esquiver. Et en plus, je les affaiblis correctement. Sérieux, 83, je me loupe? Ah merde. Ah, Dark débarque. Ah, par contre, ça c'est. Comment voulez-vous que j'estime tout le monde des mecs qui viennent à l'infini? Comment voulez-vous que j'avance sur la map, les mecs qui viennent à l'infini? Ah, comment faire pour que tu aies ce beau monde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, le mec il va me taper jusque là. Tac, 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 tac. À partir du buisson, dans sa du gunnel, je dois les laisser ça s'infiltrer. Bon, comment je vais aller ce mec sans trop de risque? On dirait que je peux y aller qu'avec une télé, déjà. Après, ça risque d'être un peu... en face des lances, envoyer Nolan et un peu quand on va dire pas la puissance. Alors on va pas utiliser une arme cheatée alors. Non, t'es sérieuse là? Mais putain. Oh là, je sens que je suis dans la merde là. Ça pue un peu du cul là, que j'ai fait. J'ai tué l'archer, il faisait chier. Voilà, là je suis safe là. Un, deux, neuf, dix. Ouais, j'étais du XP bonus parce que comme t'as déjà staté deux stats, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir les autres stats. Donc toi, peut-être faire XP grâce au bonus d'XP va être très rentable pour toi, ma petite Liana. T'as combien d'attaques? Ah non, mais lui, il peut pas attaquer à distance. Attaque 33. 3 moins 22, ça fait 11. 11 et 11, ça fait 22. Il nous restera 11 points de vie. Et les autres ne peuvent pas attaquer à distance. Bon, on va mettre Aran en tant que leur. Et qu'un javelot. Normalement, il sera pas tué. Bien dit normalement. Hein. Allez, advienne que pourra. Au pire, si je dois encore reset, bah voilà. Ah non, il a préféré viser Skimir.
Ah bah merde, alors là ça a toujours pas... Ça a tout sauf fait le... Ok, à plus, Stephen, merci d'être passé, bon fin de week-end. Alors là ça a toujours pas... Ça a pas fait ce que je voulais que ça fasse. Je voulais faire le fait pour les autres, je voulais juste que Kismir bloque le chemin. Et en fait, il s'est fait... Ah. Et... C'est juste épuisé. Bon, je crois qu'après la map là, si j'arrive à la faire, s'il y a encore un ridé, je m'arrête là pour toi. Et après cette map là, dans tous les cas, je m'arrête là. C'est bon, les 3 à 4 ridés que j'ai sur la même map m'ont un peu fait. Lol, avec ça, je fais 8 dégâts, avec l'arc héros, je fais 1 dégât. On en parle ou on en parle pas? Oh et merde, bon bah au revoir quoi. Je voulais te laisser en vie mais le genre... Mais le destin en a voulu autrement. Sorry mais... J'utilise pas la calabutine parce que je veux le maintenir en vie. C'est plus facile avec un ennemi... et qui reste des HP. Toi, tu peux faire quoi? Allez, au corps à corps. J'ai pas coupé, étonnamment. Ah bah le point de vitesse, enfin! J'utilise des armes cheatées. C'est le seul moyen pour moi de leur faire gagner de l'XP. Ah putain, mais fallait gagner de la défense et de la force et de la vitesse. Et pas toutes les stats que tu. Et connard.
Voilà, la paf a parfaitement fonctionné. Ah, en plus, c'est des archers. Aïe. J'aime pas les archers. Ah oui, il y a un mec qui stepait comme ça en plein milieu des bois. Non, mais ils sont sérieux, là? Ah ouais, le mec fait 58 de dégâts quand même. Il me one shot quasiment. Je vais quand même le faire parce que faut que je le bute, il est trop dangereux. Je peux pas le laisser en vie. Salut Dono. Ah bien sûr. 58% de précision, il y touche, hein. Voilà. Ah oui, non. 54 de précision, on va pas le faire. On évite quand même un minimum des actions. Ouais, il faut que je la fasse XP en dehors de la map. Hein. Je vais voir un truc. Wow. Ah ouais, le mec il a quand même 15, même s'il m'attaque deux fois, pas grand chose. Au pire, même s'il m'attaque deux fois, le mec là, il peut pas me violer. Même avec deux coups critiques, je résiste. Non, c'est le problème. Il y a monsieur connard qui ont débarqué en plein milieu. Un connard là-bas, les massacrer. Ah mais c'est quoi les mecs, ils sont en critique vos épéistes? Abusé les mecs, ils ont je sais pas combien de critiques quoi. Ah tiens, qu'est-ce que tu disais? Je m'y attendais à me prendre le coup critique. Putain, 19 de critique quoi les mecs. Il faut arrêter de cheater vous là les gars. Ah là il y a moins de critiques là, bon en même temps c'est une unité de rang 3 elle. Là, elle. Épée de fer. Oh putain. Oh, ok d'accord. 69 de précision, ouais non je tente même pas. Hein. Excusez mais... Pour le LOL ça touche, voilà. Point de force. J'aurais peut-être dû lui donner des feuilles d'olivier à ce mec. J'aurais peut-être dû. J'en ai plein et vu que ça me fait rien. Bon, du test qui fait pareil quand même. Même si un point de magie ça aurait été bien quand même aussi.
Bah j'aurais dû lui donner full feuille d'olivier à ce mec. On est plein et vu que ça ne sert à rien. Au pire, si je reset, je suis à cette affaire sur lui. Ah ouais, quand même, il fait quand même 14 dégâts le mec. Et il a touché en plus, connard. Bon, toi, t'étais perdu. Trois ou quatre? Je sais pas, j'ai pas compté. Et en plus, ça sort les sorts cheatés, putain. Toi, tu fais pas un pli. Toi, vu que t'allais me faire chier, on parle plus. Bah, le temps que j'apprenne la map, et après, quand t'as de la RNG qui te troll, j'ai envie de te dire, ça aide pas. Y'a pas moyen que je le tue pas. Non, je le tue forcément, quoi que je fasse. Non, non, j'arrête après avoir fini ce Fire Emblem. Y'a lui qui me fait chier là en fait. Y'a lui qui me fait vraiment chier. Oh putain, il s'est loupé. Voilà. Mais non, faut que je garde des loupés. Et là-bas. Merde. Oh putain, je suis dans la merde, je déteste cette map. Bon. Comment violer tout ce beau monde? Là, tu vois, si tu devrais faire un coup critique, ça m'aurait arrangé, ma petite Sanaki. Parce que là, je commence à être un peu en PLS, là. Eh, je savais bien qu'elle allait louper un coup sur les deux. Elle pouvait pas réussir les deux. Normalement, avec ce qui me reste là, je dois pouvoir achever tout le monde. Bon voilà, du côté là, ça s'est plutôt bien passé. Ah, le 1 de dégâts. Bon, on va obligé d'utiliser les petits T.
Je peux pas le laisser en vie, sinon je suis pas la merde. Ouais, le point de défensif. Bien là quand même sur lui, même s'il a pas eu la force. Oh ah. Limite là, quand même. Bon, maintenant faut que je trouve la solution de l'équation qu'il y a ici. La solution, ça va être ça. Non! Non! Sérieusement, je loupe deux fois à 83? Par chance, il y a Stimir, c'est lui qui va prendre les dégâts. Heureusement que je lui ai mis un couteau de lancer. Sinon, j'étais dans la merde là! Eh oui, n'oublie pas, c'est bot nazi ici. Ah mais tous les archers, j'ai des balles. Bon. Ah non, t'as monsieur là qu'il faut des gommes. Ah oui, il n'est pas à distance. Bah, on va pas prendre le risque. Hein. Il me fait du 11. Du 11 x 3, ça fait 33. Elle survit. Oh, elle a même pas été touchée. Même pas jetant le 88%, même pas jetant du 88%. Du 96, ça, ouais. Thank you.
Ah, bien sûr, t'as été attisé par moi. Hein. Ouais, mais avec un grand arc, t'as aucune chance de me toucher. Eh bien, vu que je t'ai attiré, t'es venu comme un con. Ok, à plus. Bon, maintenant faut que j'arrive à tirer les unités qui sont là-haut. Salut Fila. C'est quoi? C'est de la lance? Ouais. Bon, emmener mon mec à la hache. Je vais pouvoir le faire, attends. Ah ouais, bien sûr, pile poil dans la ligne de mer, bah oui. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bon, faut que je force à utiliser son châtiment, le mec là. Donc, après avoir tué le machin, je laisse mon hibou me prendre des châtiments dans la gueule. Hein. J'ai pas envie de me prendre un châtiment, ça risque de faire. Avec du mal. Étant donné que je suis avec la team où il y a les unités les plus faibles du jeu, où j'ai des unités super faibles parce qu'elles ont des level up de merde, c'est un peu chaud quand t'as une bonne partie de tes unités un peu merdique. Donc je prends ton temps. La map, je vais mettre 3 plombes à la faire. De toute manière, il y a toujours des renforts. Donc dans tous les cas. Il a clashé sur les pseudos. Rien faire là, c'est. C'est cool. J'ai l'attente qu'il bouge tous ces machins parce que ça peut me retomber sur la gueule ou me tuer. Allez, balance ton châtiment, mec! Allez, encore 5 fois. Encore 4 fois comme ça. Ah ouais, maintenant qu'il a avancé, le châtiment il fait plus autre chose maintenant. Ah, il fait chier. Ah, le châtiment là il fait chier là en fait. Oui mais ça fait chier quand c'est l'ennemi qui l'a. Faut qu'il me spam. Faut qu'il me spam la même et unique unité. En plus avec le cavalier qui se ramène là. Oh putain. Pas de couilles.
Bon, maintenant, faut que j'organise ma défense pour pas me faire péter la gueule comme une merde. Voilà. Ok, ils peuvent attaquer à distance. Ça m'arrange pas vraiment. Trois tours à tenir? Ouais. Oh putain, je suis dans la merde. Non, la merde. Bon. Je pouvais pas faire ça, mais j'ai pas le choix, sinon je vais me faire viol. Merde, je l'ai déjà fait jouer. Ah, l'archite est mort. Oui, sur Sanaki, vas-y, je t'en prie. Elle a la meilleure résistance du jeu. Vas-y, je t'en prie, vise-la. Ah non, mais châtiment, ça n'a pas beaucoup de précision. En même temps, châtiment, c'est pas un sort avec beaucoup de précision, donc normal que j'y... Bah oui. Du même genre. Vu que ça attaque super loin, ça a pas beaucoup de prix. Sinon ça serait trop pété si le sort a été overcheaté en précision. Tu ne penses pas? Le jeu est bâtard, mais il a ses limites même. Eh bien sûr, ça n'a pas fait Galdard sur la bonne personne. Le point de force qui fait plaisir.
Allez, viens m'attaquer. Ok. En tous les cas, il est vieux, bah oui. Bah, je lui attendais qu'il vise, oui. Ah, 25 de dégâts, ça va. Là, je m'attendais que tu vises pas lui. C'est bon, il n'y a plus de renfort. Là, tu crèves. C'est bon, il n'y a plus de renfort, je peux y aller. Je peux avancer. Oui, ma heal, elle est là. Normalement, il lui reste une utilisation. Ah. On va quand même attendre qu'il utilise sa dernière utilisation avant d'avancer Nolan. Oh, bah si, je peux l'avancer. Je suis safe là. On va commencer à re-rapatrier tout le monde vers l'avant. Il y a des unités volantes, vous passez par l'extérieur. Bah, vous êtes des unités volantes, hein. Autant pas encombrer le chemin. Hein. Pourquoi Bru? Ça, toi, t'es mort. Voilà, c'est bon. Oh merde, j'ai plus de soins avec elle. Oups. Faudrait que je lui en refous. ça fait 38, ça passe. Non, sérieusement? Oh, ce ratage. Logiquement. Yana Tiu, faire le soutien. Naiki, tu as la gueule. Aran. Je le garde là juste pour dire. Hein? Allez, le sacrifice, ça fait son pathos. Et. Mouais. Ah, bien aimé, un petit point de vitesse. Tout savoir.
Ah, pour un mage. Pour un mage de la force, c'est très utile. Pour un mage de la force, c'est très très utile. Parce que les tomes ont un certain poids. Et si jamais je n'ai pas plus de force que le poids du livre, qui est en trop par rapport à ma force, me fait perdre des points de vitesse. Donc c'est utile la force pour un mage. Ah 13, dommage, un point de dégâts. Bon, toi, t'es merdique jusqu'à la fin, quoi. Hein? T'as pas décidé de me donner des bons level up. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez puissant pour tanker tout le monde sans les tuer? Petite vite, ça fait 36. Ouais, elle peut. Elle peut tanker tout le monde sans les tuer. Alors lui, toi j'ai envie de te piquer tous tes trucs. Et j'aurais du mal à mon avis. Attends, mon truc, il a combien de déplacements? 9 de déplacements. Par exemple, si je me fais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut Pinker! Pinker Toyoshi! Alors, tu peux pas faire du full, full majuscule. Le bot ici a été réglé en mode wouhou! Mais n'y mettent beaucoup d'émotes! Ah merde, j'ai pas vu! Ah non, d'accord, c'est pas un archer, je croyais que c'était un archer, mais. Ah oui. Merde, j'ai fait bouger des mecs que je voulais pas faire bouger. Moi qui ai campé la compétence volée. Bon, comment vous tuez-vous? De quoi, Phila? Et le point de force, non? Thank you.
Bon, eux, ils ont une dent contre mon faucon. Mon aigle, merde, c'est pas... Ah, putain! Ah, mais eux, ils font chier, là, en fait. Ah, vous avez pété tout mon temps, bande d'enculés. Un mec à la hache. Et clique. Si seulement il y avait plus de vitesse, la rune serait pétée comme unité de tank. Vitesse, toi je veux que de la vitesse. Yes, le point de vitesse qui fait plaisir. Oh, Aran, là t'es level up là. Je pensais être jeté à cause de ton. À cause de ta vitesse de merde. Mais là, avec les level up que t'es en train de me faire, il y a moyen que je te garde. Il y a moyen. Mais non, mais pourquoi t'as fait sacrifice sur lui? Pourquoi, dans ce jeu, l'IA est pas assez intelligente pour dire il y a deux unités qui ont besoin de soins, on va faire par priorité l'unité qui a le moins de points de vie? Bah non. Non, nous on est trop cons comme développeurs, on sait pas programmer ça. Connard. Putain. C'est quoi ce jeu où quand tu veux soigner, t'as deux unités à soigner, tu soignes par défaut celle qui a le plus de vie. C'est tellement logique, soigner celle qui a le plus de vie en priorité. Tellement. Ah lui, à quoi? Quoi, le boss il bouge? Non mais ça c'était pas prévu ça. Le boss qui bouge c'était pas prévu ça. Non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Le boss, reste là où t'étais. Tu dégages. Tu t'approches pas. Même pas te voir. Ah non mais là, non, oh putain. Non mais le boss qui bouge quoi. Sérieusement les gars. Sérieusement, comment voulez-vous que je m'en sorte là? Si t'as l'unité de cheat avec une épée héros qui vient débarquer sur ma gueule. Non, sérieusement. Comment voulez-vous que je m'en sorte? À moins d'y aller avec lui. Avant, faut avec là-bas. Il me fait du 18 de dégâts, les autres ils me font. Non. Les autres ont normalement aucune chance de me toucher. On va vérifier quand même que je fasse pas un truc kamikaze. Le roi m'attaque. Le roi m'attaque, il fout. Or, on va se foutre là, en plein milieu d'un buisson. On va attirer les connards là-bas. Et toi, faut que je trouve le moyen de te régler ton compte. On éloigne tout le monde. Après tout,
Par précaution, je préfère bien reculer parce que... Oh la merde. On va tester le bâton sommeil, j'en ai un. Ça rate, hein, bien sûr. Ah, mais ça donne quand même l'XP. Ça rate, mais ça donne l'XP. Oh, bah cool. Bon, normalement, vous tous se jeter sur le roi. Retour aux ailes noires et friand Chirac pour pouvoir recevoir le châtiment de la déesse. Oh, je n'attends que ça. Ah, allez, one shot, au revoir le boss. Comment est-ce possible? Concernant les ennemis de la déesse, ont-ils pu vaincre les âmes aussi pures et aussi dévouées? Si toi t'es pur, moi je suis Dieu, mec. Sache-le. Si toi t'es pur, moi je suis Dieu, hein. Oh bah maintenant tout le monde va se faire viol. À part lui. Mais t'as tout le monde qui va se suicider. À part ceux qui peuvent attaquer à distance. Ah ça m'arrange, bah, je voulais pas l'avoir comme ennemi hein. Ça m'arrange bien que les Nice Alive fait le taf. Ah, je voulais pas l'avoir sur le cul là-bas, sinon c'est... la map elle était. Je vais même faire une petite sauvegarde pour pas avoir à me retaper la map là. Je suis enfin à la fin de la map, j'ai pas envie de tout recommencer. Je fais une erreur à partir des prochains tours. Mais arrêtez de vous suicider! Les gars, arrêtez de vous suicider! C'est quoi le but de l'opération? Comment vas-tu, Pinker Tanyushi? T'as voulu marquer quoi tout à l'heure quand t'as écrit en majuscule? Bon bah... bon, coup en PLS. Oh bah voilà, ménage est fait. Non, il peut pas voler, c'est bien celui. Bon. Ah, j'ai fait le ménage hein. Ouais, j'ai bien fait le ménage hein. Ah oui, il peut attaquer à distance. Ah oui, c'est un peu emmerdant ça. Attends. Ça fait longtemps que t'as tué personne, toi. Ah, elle peut même pas one-shot. Mec, le Tanya, elle one-shot pas. Oh, tu me déçois, Mikaya. Déçois. On tient un peu de magie. Elle a quand même 25 en magie. Bon, elle, elle a 33, hein. Bon. Tu me déçois, là, ma petite... Mikaya. Non, j'ai inversé les stats de dégâts de prise. Ah oui. Ah ok. Ah il a une hache courte, ouais, ça fait.
Voilà comment on enlève un problème. I speak a little English, but I have a very bad accent. Il a quoi? H. On va mettre un gars à l'épée, hein. Première. Bon, attends, ce que t'écris, c'est bien écrit. Sérieusement, là? Quoi? Not double? Fuck. Pourquoi t'as pas attaqué deux fois? Force, vitesse, yes! Ouais, eux ils sont trop loin. Non mais cherchez pas, je vous ferai pas attaquer mon faucon Millennium, hein. Bon, comment je vais t'achever? Tu as la hache, bon j'ai pas grand monde avec des épées. Dire que c'est l'équivalent d'une épée, une dague. Logique, motivation très logique. Ah oui, non, lui, il attaque à 10. Vu qu'il attaque à distance, et hop, on va faire un coup avec elle pour qu'elle fasse des dégâts. Avoir ses mémages pour qu'elle fasse des dégâts au prochain. Il m'a pas attaqué. Ah, mais les deux ils attaquent à distance, fuck. Dommage, 25. Oh, je risque 5.
R, pas vitesse. Oui, c'est mon premier playthrough. Mais je l'ai déjà fait moi-même quand j'ai une fois la première fois le jeu. Mais oui, c'est mon premier playthrough. Ah, il fait 29 de dégâts, j'ai 28 points de vie. On va pas faire ça. On va pas faire cette action. Ah merde, il fait trop de dégâts. Yeah. Ouais, là, ça me fait un peu chier, là, ce qui se passe. Bon, pas grave, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon je suis dans la merde. Et 13 de dégâts, c'est bon. Voilà, le bâton de soin cheaté. Qui va achever le jeu? Et bah voilà, du x2. Que ça? J'aurais quand même mieux que ça avec qui. Toi, tu gagnes 2 fois plus vite et caches une élite. Et bah voilà, la map est finie. Enfin. Après, t'as la phase de gros dialogue. Comme ça fera la fin du live. Ça sera rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Ouh. Vitesse. Bon, ça va encore. Avec... Ils étaient forts pour des Béorques, mais ce n'a longtemps attendu avant de voyer ces soldats d'élite. Donc quelques villages m'étaient familiers et certains d'entre eux étaient des nouvelles recrues. Je comprends pas comment ils ont fait pour être aussi forts. Pourtant simple, Asher à les protéger. J'ai prévenu Mika qu'ils allaient attaquer, puis je... Point. Asher a libéré les soldats pétriers et lui a oublié corps et âme. Comme ils n'étaient pas assez forts pour éliminer les infidèles que nous sommes, elle a béni leurs armes et leurs armures. À présent, ce sont ces vrais disciples, et leur puissance augmentera au fur et à mesure que nous rapprochons d'elles. Les prochains combats risquent d'être particulièrement éprouvants. Ainsi, la déesse en personne a béni leurs armes et leurs armures. Cette bénédiction est-elle du même que celle qu'on a reçu l'armure du chevalier noir et l'épée sacrée d'Ike? Le principe est identique, sauf que la bénédiction des disciples est plus faible étant donné leur nombre. Il ne reste pas moins qu'ils soient incroyablement plus forts qu'avant. J'aimerais-t-on pouvoir vous offrir ma protection, mais je ne peux pas encore car je viens de me réveiller. Ah, c'est pour rien qu'ils ont pu nous tenir tête si longtemps. Les pauvres, au milieu de tous ces chapitres, ils prennent pour porte d'yeux. De toute façon, personne n'est assez bien pour elles. Pas leur mission terminée, elle les transformera comme les autres. Tiens, tu es là. Tiens, voilà son garde du corps. Je ferais mieux d'y aller. A plus tard tout le monde, je vous souhaite bonne chance. Yaya. Oh oui. Eh, je suis content que tu sois à nouveau parmi nous. Allons dire aux autres ce qui vient de se passer ici. Hein? Bon, je retourne me coucher. Je devais être réveillé de si bonne heure, même si c'est pour livrer un combat.
Yun est encore venu. Ça plaît pas qu'il est contre comme ça. Je préfère qu'il se contente d'être cet oiseau de malheur. Merci. S'il te plaît, ne sois pas aussi dur avec elle. Pour moi, elle est comme une grande sœur. Et donc la sœur cadette d'un dieu maléfique. Maintenant, tu t'éclaires, tu tiens cette voix qui nous a été du moindre danger. C'était Yun, je l'ai compris ce matin. La vie est sur nous, même dans son sommeil, Yun aime les béors qui l'agusent de terreur. Je le sens quand elle part à travers moi. Dans ce cas, pourquoi est-ce que les gens l'appellent le dieu maléfique? Je l'ignore, mais elle n'aime pas ce surnom. Elle souffre quand tu l'appelles comme ça. Mais je ne recommencerai plus. C'est vrai, alors je te pardonne. Hé, Yun, c'est vous, n'est-ce pas? Désolé, je ne recommencerai plus. Pourquoi n'arrives-tu à être gentil? À être gentil avec moi? Je suis un peu jalouse. Je suis un peu jalouse, mais je m'en remettrai. Je sais que Mika a besoin de toi, c'est pourquoi tu ne dois pas mourir. Approche-toi, s'il te plaît. Oh merde, il change de classe! Si j'avais su, je l'aurais fait monter ses levels! Oh merde! Oh merde, il a perdu des levels! Hein? Qu'est-ce que vous faites? À faire, je veux juste la force de. Oh merde, j'ai pas pu, j'ai pas level max. Oh merde, je pensais pas qu'il le level reprend maintenant. Fuck. Ouais. Ah, je pensais que ça serait un peu plus tard, mais je me souvenais plus que c'était un chapitre. Là, t'as la classe, là, saute. Bon, après, il avait pas des stats de merde, hein. Bon, il avait maximisé deux stats. Wow, c'était époustouflant, je me sens ainsi. Pas même que je pourrais battre Skirmir. Mika, ne quitte jamais Mikaya. Yon? Non, c'est moi, Mikaya, déçu. C'est pas n'importe quoi, c'est juste que j'ai pas eu le temps de la remercier. Tu l'aurais mis dans l'embarras en fait, je trouve que tu ressembles énormément tous les deux. Vous êtes aussi têtu l'un que l'autre. Oh saute, je plaisante. Comment tu tiens de ce que l'ennemi a dit avant d'engager le combat? Lui, il est gagné leur chef. Il est donc toujours en vie et il n'est pas pétrifié. Bien que nous rencontrons en nous rapprochant de la tour. Ce sera le moment ou jamais. Exactement, nous devons impérativement détruire le pacte de sang. Mais n'oublions pas que nous devons également annuler le jugement de la déesse. Nous profiter qu'ils soient tous précipités de la pierre pour rompre le pacte. Nous échouons, d'un sera perdu, que nous sauvions le monde ou non. Bah c'est sûr, si tout le monde change en pierre, peut pas avoir la malédiction. Zut, nous voudrions interroger parler à cette jeune fille. Mika peut entendre la voix de la DSU. Pourquoi elle peut prédire les dangers imminents? Elle vous ressemble beaucoup, votre sainteté. Bon, là vous désirez pourtant parler à Mika. Non, mais cela, ce n'est pas important. Oui, votre sainteté. 2000, c'est tout? Ike avance avec son groupe vers l'ouest. Il est accompagné de Titania, capitaine des armées, et de Soren, stratège d'exception. Il est également soutenu par Nella, reine des loups, et par Raphil, prince héron. Le prince Kurtnaga de Goldoa et Ina, son fidèle sujet, sont également présents. Mikaya les a avertis de la menace que représentent les disciples de l'ordre. Alors qu'ils traversent le territoire de Celiora, Ike et ses compagnons restent vigilants. Route vers l'Empire! Incroyable, la déesse a été imputable. Elle n'a épargné personne. Depuis que nous sommes en route, nous avons un être vivant. Les plantes et les animaux ne semblent pas être affectés par ce sujet. Les lagus et leur comté. La volonté dit. Ma soeur vient de m'informer de la menace que représente. Alors, Ashera les a libérés pour qu'ils se battent pour elle. Elle a aussi béni leurs armes et leurs armures. Ils ont failli vaincre l'équipe de Lin et leur puissance augmentera au fur et à mesure que nous approchons de la tour. Pire encore, ils peuvent nous attaquer à tout moment alors que nous sommes. Ils sont. Et. Sans y trouver un plan de secours. Merci, Soren. Campons ici cette nuit. Vous aurez tous vos armes à portée de.
Le mec, il a staté plein de stats. Lui, limite, si je le fais passer, il gagne 3 stats à coup sûr. Alors lui, il va devenir cheaté. Là, lui, ça sert à rien de l'XP sur le terrain quasiment. Puis, lui donner d'XP bonus, c'est peut-être le meilleur truc que je... Lui, qu'il a maximisé 3 stats déjà, le reste, il gagne forcément 3 points de stats. Donc, soit les HP, là, c'est rentable pour lui. Et surtout si ça tape dans la défense et la vitesse. La vitesse. La vitesse. C'est très bien de la défense quand même. Ouais, là c'était pour... Ah, le point de défense. Le point de défense. J'apprécie le point de défense. Toujours le point de défense. Encore le point de défense. Ah bah ça va. Ce Ren il est bon là. Niveau défense. Ouais. Alors là. Et voilà. Le mec il a 22 défense. C'est un mage. Ok, paye ta puissance. Oh la vache. Mon ce Ren il est juste pété. Mon ce Ren il est juste pété quoi, 22 défense quoi. Le mec il tank. C'est un mage, il tank. Oh non, paye ton cheatage. Ouais, ouais. Oh, et regarde, il y a bien 19 en force aussi. Oh putain. Y'a Kido qui est pété comme ça. Quoi, tech de stats. Ah, t'as la force qui est déjà à fond, t'as la vitesse. Tu peux avoir beaucoup de chance et gagner beaucoup de défense. Ça va être très intéressant. Ah, toi. Toi, toi, oui, il faut que tu gagnes de la force, toi, et de la défense. Quoi, je te booste. Je te booste direct, hein. Force, défense. 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 Oh cool. Ah bah voilà, elle va pouvoir tanker. Dommage, elle a pas eu... Ah non, la force c'est l'hommage, je crois, en force. Et bah voilà. Elle a autant de défense que de résistance. Elle aussi, elle tanque bien. 21-21. En plus d'avoir une vitesse cheatée. Elle gagnait quoi comme compétence? Léo. Tiens, en archimage, il a eu quoi ce Ren en passant archimage? Oh, faisceau! Tu vois? Sur les autres équipes, mes personnages sont bons, mais sur l'équipe de Mikaya, j'ai que des merdes. Toi, tu m'intéresses pas. Toi, t'as staté que 2 stats. Toi, t'as la force à la vitesse. Après, est-ce que tu peux gagner de la défense? Ah, attendez, on m'appelle. M'appelle. Bon, bah, je dois arrêter le live plus tôt que prévu, étant donné qu'aujourd'hui je mange tôt. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé. Donc, pour la suite de Fire Emblem, bah, ça sera dimanche prochain vers les 13h. Donc, sur ce, je vous remercie de regarder. Je vous dis bon appétit et à la prochaine. Ah, j'avais pas fini de faire mes trucs. Cheat. Allez, bonne journée.